Alors moi, je connais Miguel depuis les années 80, 84, 85, 86. Et j'ai eu la chance de connaître Miguel Chevalier en même temps que certains artistes contemporains qui sont très importants aujourd'hui ou sont devenus très importants, comme Keith Haring, Sol LeWitt, Bob Indiana aux États-Unis et puis en France, des artistes comme Hervé Télémaque et Hervé Di Rosa. Dès que j'ai rencontré Miguel, j'ai eu la conviction, par sa créativité, sa force de mise en œuvre, sa volonté, sa pugnacité, par sa vision des choses, que ce serait un artiste majeur de son époque et qui s'inscrirait définitivement dans l'histoire de l'art. Et donc j'ai suivi son travail depuis les années, fin des années 80 jusqu'à maintenant. J'ai toujours travaillé avec lui, toujours collaboré avec lui dans le cadre de la Galerie Kesa. Et c'est probablement sa façon de se rendre compte, alors même que nous n'étions pas encore à l'époque d'Internet, que le virtuel allait nous entourer, nous contaminer, pour le pire, puisqu'il nous contamine vraiment, il nous empêche de vivre le moment présent, ce virtuel, et pour le meilleur, puisque très vite j'ai vu que Miguel sublimait, s'attachait à sublimer ce virtuel en créant sans cesse des images non vues, qui sortaient de nulle part et qui apparaissaient comme un champ plastique nouveau, aussi bien par son travail de recherche sur les pixels, comme la mosaïque de pixels, ou son travail sur les métacités, avec des formes plastiques qui sont très différentes, vidéo, sculpture, impression sur dibon, d'acryle. Et donc voilà, et toujours une passion qui ne m'a pas quittée pour ce travail de Miguel que je soutiens, je défends et je relaye auprès de nombreux collectionneurs.